Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Ce que nous allons faire, si vous estimez que nous avons des choses à dire, qu'on a mal dit, vous n'avez qu'à nous appeler au 00225-01-08-02-31. Je vais revenir sur le cas d'Ahmed Bakayoko. C'est un garçon que j'ai décidé de suivre, mais de loin. Il a été ministre de la Sécurité. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense. Et maintenant, il est maire d'Abobo. Abobo est une cité dortoir. Abobo est une cité où des gens ont des problèmes. Il y a un problème social. Il faudrait que Abobo, Ahmed, soit facilement accessible. Parce que le protocole qui l'encadrait quand il était ministre de la Sécurité et le protocole qui l'encadre en tant que ministre de la Défense, où il est difficilement accessible, ça ne doit pas être le même protocole au niveau de la mairie. Les deux protocoles doivent changer, je le dis. Monsieur le ministre Ahmed, le protocole que tu as au niveau du ministère de la Défense, avec tout ça autour où l'accessibilité est un peu difficile, ça ne doit pas être le même protocole au niveau d'Abobo. Abobo, ce n'est pas Cocody, Abobo, ce n'est pas Plateau. Abobo, c'est une commune où des gens doivent vivre comme des amis, des frères, ça dit des connaissances. Matin, ministre, soit qu'ils ont un problème, il faut qu'il y ait des gens à qui ils doivent s'adresser. C'est pour ça que vous devez vous faire entourer des gens aussi qui ont assez de moyens et qui ont de la main facile. La main facile. Mais si vous êtes entouré avec des gens qui sont très avares, je vous jure que un an seulement suffit pour qu'on dise que vous n'êtes pas bien. Or, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes que vos agents devaient résoudre qui n'ont pas résolu. Après, entendeur, à la prochaine. Je voulais parler un peu de ce qui s'est passé dans la semaine au niveau des probables. Ça dit, je ne comprends pas. Pourquoi quand il y a un petit truc comme ça, les gens ne se renseignent pas, ils extrapolent, ça devient grave. Babou a été libéré. Mais ce n'est pas vrai. C'est en cela que j'attire l'attention de la première dame. Madame, je vous en prie, avant de sortir une communication, il faut faire très attention. Parce que le FPI, vous êtes beaucoup aujourd'hui qui avait la direction du FPI. Et les militants du FPI sont trop excités, sont trop émotionnels. Il faut éviter de leur donner des propos qui sont difficiles à canaliser. Donc, tu attends un propos comme ça. Je t'en prie, il faut partager cela avec les dirigeants même de ton parti, c'est-à-dire les autres qui restent, les doyens qui sont autour de toi, qui sont des militants du FPI. Il faut les écouter d'abord. Et après eux, tu fais appel à tes avocats. Et c'est après confirmation, vous appelez les avocats de Babou qui sont en Europe. Donc ils vous confient maintenant et puis vous allez dire Babou a été libéré. Mais non. Votre avocat qui est le jeune frère Dagui, c'est un garçon que je connais très bien parce que son père est mon ami. Quand il était encore au collège, tous les matins il était assis chez eux, je voyais l'enfant partir tout le temps, elle est à l'école. Elle est à Yopougon, Dresdima, Kabadougou. Donc je vous dis que c'est un garçon que je connais très bien. Je lui dis aussi, le métier d'avocat est tellement difficile qu'avant de te prononcer, fais très attention. Parce que cela y va de ta crédibilité. Je le dis parce que je te considère bien comme mon fils, parce que ton père a été mon ami. J'étais du tout de théâtre, ou moi je jouais dans le Liga Théâtre. Donc il faut que je le dise. Est-ce que ça crie aujourd'hui à Yopougon? À Yopougon, ce n'est pas vrai. Des gens crient, ça se tape partout. Jusqu'à même, il y a un monsieur qui ont frappé. Qu'est-ce que la rue, Babou, vous allez voir. On va vous chercher d'ici. Mais pourquoi? À Yopougon, Niagon, vers l'église de Saint-Irita, un monsieur venait sa voiture, rentrer dans un poteau, bouh, la voiture est gâtée complètement. Tout cela, parce qu'on dit, Babou sera libéré. Babou est libéré. Il y a même qui dit que Babou est libéré, il est assis dans une maison à la Rivera, Goff là-bas, et que les Ouattara sont en conseil d'administration, ils sont en train de discuter, Ouattara va partir, comment Babou va s'installer. C'est quoi tout cela? On ne peut pas dire, puis il y avait tous ces gens des propos qui ne sont pas vrais. Je me rappelle à quoi un temps, on dit que Chirac est mort, Chirac est mort. Mais pourquoi chaque fois sortir des propos qui ne sont pas vrais? C'est pas bien. Après on dit, Ouattara est mort, il est dans le casier numéro 9. Évitez, c'est-à-dire, à force d'avoir des propos qui ne sont pas bien, qui ne sont pas vrais, on n'arrive pas à faire une politique réelle. Je demande aux gens du FPI, pardonnez, ce qui s'est passé là, les gens vont voir là, et ils vont dire, mais voilà, on n'a pas encore libéré, à ce qui se passe. N'ayez pas un comportement qui va faire que Babou va durer là-bas. Je vous en prie, tranquillisez-vous. Mais je dis pourquoi c'était autre chose. C'était autre chose. Il y en a qui crient, ah, tout ça c'est réglé aujourd'hui. Il y en a même, ils boivent, ça va quoi, non, c'est fini. Ouattara, ça va demain. Qu'ils sont en train de faire conseil des ministres.
Quand tu as choisi la vie, où tu dois partir. C'est Babou à la maison, chez lui là-bas, à l'hôtel du golfe, il est déjà arrivé. FPI. Changez un peu. Faisons de tout en temps l'arrière politique, je vous en prie. Changeons d'attitude pour que Babou puisse revenir. À bon entendeur, merci. Emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo, emergence, doyo, doyo.